Oups, bonjour et bienvenue les scorpions. Bonjour et bienvenue pour le tirage des énergies du mois de novembre 2017 que je fais toujours avec un jeu de Mademoiselle Lenormand qui est spécial Halloween puisque nous sommes le jour de Halloween. Et donc, nous allons faire le tirage des 12 maisons astrologiques pour les scorpions. Qu'est-ce qui est tombé là? Le chien, l'étoile et l'anneau. La sérénité, donc l'amitié, la sérénité et l'association. Bon, une association de travail, une association de cœur, un mariage, une mise en ménage pour les scorpions. Oups. Voilà, on va couper le chemin et la tour. Donc vous avez un choix à faire, un choix qui est à faire. Et moi, pour moi, c'est par rapport à... j'ai les fils, j'ai les pieds dans les fils, je ne sais pas du tout ce que c'est que je suis en train de faire. Le chemin et la tour, donc ça veut dire que vous allez faire un choix, et le choix par rapport à un bâtiment, à un grand bâtiment. Les 12 maisons astrologiques. La première maison qui est la maison du consultant, la maison de votre état d'esprit, de vos possibilités et de vos intentions. Le livre, donc il y a quelque chose de caché, quelque chose que soit que vous allez révéler, quelque chose que vous allez apprendre, qui normalement va vous apporter la sérénité. Donc quelque chose que vous... Alors, soit vous allez, pour être serein, vous allez dire, vous allez annoncer quelque chose pour pouvoir vous décharger d'un poids que vous portez, qui pourrait être d'avoir trompé votre conjointe. Donc vous avez peut-être envie de lui avouer de l'avoir trompé, ce que moi je ne vous conseille pas du tout de faire, mais les conseillers ne sont pas les payeurs, parce que vous n'aurez plus le fardeau, mais l'autre l'aura, et voilà, c'est très, très égoïste je trouve de faire ça. Je l'ai déjà dit je crois dans une précédente tirage, je ne sais plus. Enfin, soit ce que vous voulez, ou alors vous allez apprendre un secret qui va briser votre sérénité et qui va vous apprendre que vous êtes trompé. Moi, j'ai envie aussi de parler, peut-être que vous allez apprendre que vous avez des problèmes d'intestin, d'estomac, d'appareil digestif. Voilà, parce que le serpent peut aussi représenter l'appareil digestif. Donc, il se pourrait que votre sérénité soit un petit peu bafouée suite à cette révélation de ce petit problème de santé. Mais j'ai plutôt l'impression que ce n'est pas un problème de santé qu'il s'agit. Ça va être quelque chose de révélé. Il y a quelque chose qui va se révéler et qui va... Bon, maintenant, c'est la maison des intentions, des possibilités, de votre état d'esprit. Donc vous avez peut-être, vous êtes peut-être une personne qui trompait quelqu'un d'autre, ou vous êtes peut-être tout simplement, on ne le reconnaît pas, mais bon, vous êtes peut-être une personne un peu, qui ne dit pas toujours les choses comme elles le sont, vous êtes peut-être, peut-être que vous allez un petit peu réfléchir à certaines choses que vous pourriez éventuellement révéler ou pas, mais tout ça est en rapport avec votre sérénité, voilà, parce que vous avez envie de bien vous sentir. Alors soit c'est vous qui allez révéler quelque chose pour bien vous sentir, soit vous allez apprendre quelque chose et ça va peut-être pas vous faire... Ça va être une révélation, mais d'adultère. Voilà. Voilà, maintenant ça peut-être ne concerne pas votre couple, hein. C'est peut-être tout simplement quelqu'un qui va vous confier que... C'est peut-être tout simplement un ami, une amie qui va vous confier qu'elle a un amant, une maîtresse. Et puis, ça va être pour vous un fardeau à porter. Et parce que vous détenez un secret, du coup, votre sérénité va aussi peut-être en prendre un coup, par exemple.
Mais pour moi, c'est quelque chose qui est caché, qui est secret, et ça a rapport avec une infidélité. Ça peut être une infidélité de couple, ça peut être aussi une infidélité d'amitié aussi. Mais bon, ça parle vraiment de tromperie. Mais si c'est par l'amitié, ça va parler vraiment de quelqu'un qui vous a fait croire qu'elle était votre amie, qu'il était votre ami, et qui du coup vraiment va vous tromper. C'était plutôt pour par intérêt, quoi, que cette personne vous fréquente. Donc voilà. Alors, deuxième maison, acquisition, situation financière. Le Verseau, l'anneau, et ben, vous, monsieur Scorpion, ou éventuellement le mari de madame Scorpion, ou l'homme le plus proche de madame Scorpion. Donc, vous allez... le Verseau, ben, ça va parler de voyage, ça va parler de déplacement, quand même assez important. Un déplacement important ne veut pas dire spécialement à l'étranger. Vous pouvez aller du nord au sud, de l'est à l'ouest, voilà. Du pays, je veux dire. Pas du globe, évidemment. Donc, voilà, ça pourrait parler mais c'est toujours par rapport aux finances. Hein. Attention, c'est par rapport aux finances. Hein. Ce n'est pas un voyage d'agrément, ce n'est pas un voyage de boulot. C'est un voyage financier pour pouvoir trouver quelque chose qui vous apporte, qui vous rapporte des sous. C'est peut-être pour aller acheter quelque chose, c'est peut-être pour aller vendre quelque chose aussi, hein. Vous avez peut-être un bien à l'étranger que vous allez vendre, c'est peut-être une association par rapport à de l'argent, donc à vous de voir. C'est peut-être tout simplement un partage que vous devez faire, c'est peut-être une donation que vous allez faire à vos enfants, par exemple, à vos enfants, ou à qui vous voulez. Voilà, il s'agit de ce genre de choses-là. Et ça, il s'agit vraiment des acquisitions et des biens financiers de Monsieur Scorpion, ou du mari de Madame Scorpion. Voilà. Ou simplement des deux, hein, puisque voilà, c'est un tirage qui est général. Donc, il pourrait, si on faisait un tirage, si vous pensez que c'est vous, que ça vous concerne, on fait un tirage pour vous, et vous allez voir qu'il y aurait peut-être madame avec vous. Donc, ça veut dire que monsieur et madame en couple vont aller quelque part, ou reviennent de quelque part, où ils vont. Ben voilà, ils reviennent de vacances, ils ont décidé qu'ils allaient acheter, mais c'est ensemble, hein, ce n'est pas spécialement monsieur tout seul non plus, puisqu'il y a l'anneau ici. Donc c'est peut-être tout simplement à deux que vous allez faire le choix d'acquérir, de vendre un bien, par exemple. Mais ça a un rapport aux finances, de toute façon. Ensuite, alors ici, c'est la maison des frères et des sœurs, des proches, pas des gens de la famille, des proches, et de petits déplacements et des nouvelles. Alors, nouvelles, ben, on pourrait dire quelque chose... Alors, soit une grossesse, l'annonce d'une grossesse, l'annonce d'une naissance, l'annonce de quelque chose de nouveau. Donc, que ce soit l'entourage proche, les familiers, les frères et sœurs, ce pourrait donc, petit déplacement. Donc, moi, j'ai aussi envie de parler de petit déplacement. Non, petit déplacement. Peut-être que vous allez faire un petit déplacement, peut-être pour vous occuper d'un enfant, d'une manière ou d'une autre. Alors... tourner les autres cartes pour voir le foyer, donc ça fait partie de la famille. Donc s'il s'agit ici d'enfants, ce sera un enfant qui fera partie de la famille ou de l'entourage qui vous est vraiment très très proche, donc ami très proche. Donc il y a une naissance ou un nouveau projet vraiment qui est clos, qui va prendre son envol, un nouveau projet vraiment qui va prendre son envol. Qui pourrait faire partie de votre foyer à vous. Donc, ça pourrait... Maintenant, vous habitez peut-être toujours chez vos parents, avec vos frères et sœurs, donc ça pourrait s'agir de... C'est le noyau familial, la maison. On ne parle pas du bâtiment, ici. Hein, on parle de qui y habite. Donc, et ça parle aussi d'amour. Donc, je pense que plutôt, ici, on va parler d'enfants, d'amour... allez-vous avoir ici au mois de novembre, vous allez peut-être donc avoir la surprise ou pas d'être enceinte, de vous savoir que vous êtes enceinte. Peut-être allez-vous accoucher aussi pour les scorpions au mois de novembre, allez-vous être papa, maman au mois de novembre.
De toute façon, il s'agit de quelque chose par rapport à votre foyer, à vous, et par rapport à de l'amour. Donc voilà, vraiment, c'est quelque chose par rapport à de l'amour. Donc même si vous créez quelque chose de nouveau, avec vos frères, votre sœur, peut-être, voilà, vous êtes peut-être pas en couple, hein, et puis avec votre frère ou votre sœur, ou les deux, vous allez peut-être créer quelque chose, et ce sera vraiment quelque chose qui viendra du cœur, quelque chose que vous allez aimer profondément. Mais j'ai plutôt envie de parler ici d'un être humain. Un être humain, parce que l'amour, bon, de l'amour comme ça, on en porte plutôt aux humains, ou limite aux animaux, hein, parce qu'on peut avoir des animaux, qui font partie de la famille, et donc qu'on aime très très fort. Je sais que je vais dresser des cheveux, mais c'est comme ça. Et donc, voilà, quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver chez vous. Et ça ne sera que du bonheur, hein, ça ne sera que du bonheur. Ensuite, 2, 3, 4... Le papa, donc cette maison-là, la maison 4, c'est la maison du papa, du foyer, de la famille et du patrimoine. On va parler de l'argent, de travail, pardon, travail. Alors, le lys, c'est la clé de la réussite, la clé. Le lys, c'est la clé. Donc, le travail, ici, ça me parle de travail, ça me parle de le lys d'une profession libérale. Donc, il se pourrait que ce soit... notaire, un avocat, un juge, voilà, un médecin, une profession libérale. Et donc, par rapport au travail, donc je vous dis, travail, profession libérale, clé de la réussite. J'espère que ça vous parle. C'est dans la maison de la foyer, de la famille, du foyer, du patrimoine et du papa. Donc, il est possible que... soit vous faites un travail en famille et que peut-être pour une raison ou une autre il y ait quelque chose par rapport à ce travail de famille que vous allez peut-être demander, je sais pas, vous allez peut-être demander vos parts, peut-être que votre papa va arrêter et du coup vous allez devoir partager ce patrimoine en plusieurs, voilà, parce que vous êtes peut-être plusieurs enfants, mais en tout cas ça a un rapport avec le travail, ça a un rapport avec le lys, donc oui évidemment, avec comme si vous saviez tous ce que ça veut dire le lys, ça a un rapport avec la profession, avec quelqu'un, donc pour moi un juge, un notaire, un avocat, etc. etc. Donc vous voyez très bien de quoi je veux parler, hein. Et la clé de la réussite, donc s'il se passe quelque chose à ce niveau-là, dans cette maison-là, la maison du papa, du patrimoine, de la famille, du foyer, parce que ça parle aussi du foyer, donc de vous et votre couple et vos enfants, et vraiment qui, c'est vraiment les personnes qui habitent ensemble chez vous, le foyer. Maintenant, c'est vrai que vous avez peut-être des enfants qui sont déjà partis de la maison, qui font partie de votre foyer, mais pas vraiment. Votre foyer, c'est vraiment le lieu où vous habitez, vous, avec les gens qui habitent encore avec vous. Voilà. Donc ça parle de travail et ça parle. Il y a quelque chose qui va se dénouer pour moi au niveau travail. Il se pourrait aussi, je sais, parce que je suis dans cette maison-là, donc je reste un petit peu en famille. Il se pourrait aussi qu'il y ait quelque chose par rapport à votre boulot et que vous allez recevoir des nouvelles par rapport au boulot et vous allez peut-être porter une plainte, par exemple, et du coup vous allez gagner. Il y a quelque chose que vous allez gagner. De toute façon, dans tous les cas, vous allez gagner quelque chose. Dans tous les cas, vous allez gagner quelque chose par rapport à ce travail et par rapport à la famille, à votre foyer. Oui, il y a quelque chose que vous allez gagner. Donc, c'est quand même super. Donc, je suis toujours pour les scorpions, je vous rappelle. Hein. Maintenant, nous sommes... la vie sentimentale, les créations et les enfants. L'amitié. Le chien, pardon. Le chien, le jardin et le bouquet. Donc, qu'est-ce que ça me disait ici? Vie sentimentale, création et enfant. Alors, ça pourrait parler d'un jardin d'enfants. Normalement, le jardin va parler d'amitié, de vos amis, etc. etc. Mais moi, j'ai envie de
puisque c'est dans cette maison-ci, j'ai envie de parler d'un jardin d'enfants, d'une petite école, d'une école primaire, d'une école maternelle, d'une crèche. Voilà, j'ai envie de parler de ça. J'ai envie de parler peut-être de bonheur financier, donc avec une amie. Peut-être qu'avec une amie, vous allez créer quelque chose par rapport... ben oui, parce qu'en plus, on a les enfants, la création, la maison des enfants, de la vie sentimentale et des créations. Donc ici, j'ai envie de parler qu'avec une amie ou un ami, il est possible que vous créez quelque chose qui vous rapportera de l'argent et qui va faire partie d'un jardin d'enfants. Enfin, en gros, quoi, en gros, hein. À vous de voir et de mettre à votre sauce, mais il y a peut-être, vous avez certainement un projet de créer quelque chose par rapport à des enfants, ou avec vos enfants, ou avec vos enfants, oui, aussi, avec une amie ou un ami et peut-être un enfant ou vos enfants, vous allez créer quelque chose et de toute façon, ça va réussir. Donc, si vous avez vraiment ce projet-là, vous pouvez franchement y foncer pour le mois de novembre. C'est vraiment un projet qui va vous amener du bonheur matériel. J'ai dit du bonheur matériel, là, ici. D'accord ? C'est déjà bien. Maintenant, le travail et la santé. Alors, la tour, le trèfle et l'encre. J'ai envie de parler pour cette maison-là, travail santé. J'ai envie de dire que soit vous travaillez dans un grand bâtiment, soit ça parle peut-être d'un hôpital, si vous avez des problèmes de santé. Mais j'ai l'impression que ce soit dans le travail... dans un grand bâtiment ou dans l'hôpital ou dans une maison où on soigne, hein, que ce soit un hôpital, que ce soit... Je n'ai que trois cartes ici, donc je n'ai pas de précision quant à la tour, puisqu'il me faudrait une carte voisine qui pourrait me préciser si c'est ce que c'est comme bâtiment. J'ai envie quand même de dire que de toute façon, quel que soit le bâtiment pour la santé ou pour le travail, vous avez de la chance, vous allez avoir en tous les cas au mois de novembre un coup de chance certainement à saisir par rapport à ce travail ou à la santé. Peut-être tout simplement, je pense à la santé, peut-être qu'on va vous demander d'essayer un nouveau médicament par exemple, peut-être qu'on va vous donner tout simplement une bonne nouvelle. Voilà. Ça parle de chance, donc vous voyez un petit peu ce qui pourrait se rapporter à la chance, à votre santé, à votre travail, mais de toute façon, et alors c'est une chance pour moi qui ne va pas être éphémère, hein. C'est une chance qui va vraiment durer, donc voilà, ça saute dans le travail, dans la santé, ça va, c'est une chance que vous allez avoir, et que vous allez pouvoir saisir ou pas, mais vous allez avoir cette chance et ça va durer, donc c'est vraiment dans la maison du travail et de la santé, je vous rappelle. À vous un petit peu de voir si ça vous parle. Je vous rappelle aussi, allez voir votre tirage de votre signe lunaire ainsi que de votre ascendant, puisque ces trois signes vous parleront tout aussi fort, quoi. Vie extérieure aux consultants, les associations, le mariage et le conjoint. Des obstacles, un obstacle, des oiseaux et l'ours. Alors ici, pour certains scorpions, nous avons des obstacles, un blocage. Vous avez un blocage par rapport à des... Peut-être par rapport à quelque chose que vous avez dit, quelque chose que vous avez appris. En fait, c'est les oiseaux, donc ce sont des paroles par rapport à de l'argent. Donc il y a un blocage. Peut-être, voilà. Vous avez peut-être décidé de demander des sous à quelqu'un, et puis cette personne a refusé, donc vous êtes bloqué. Ou alors, vous êtes bloqué, non, c'est plutôt l'inverse, vous avez un blocage, vous vivez un blocage pour le moment, pardon, c'est moi qui me suis trompée, vous vivez un blocage pour le moment, je peux peut-être pas m'être trompée, hein. je peux lire comme ça, donc ça, c'est pareil. Donc vous avez besoin d'argent, vous en demandez, on ne vous en donne pas, et donc vous êtes bloqué. L'inverse, vous êtes bloqué, vous subissez un blocage dans votre vie, vous devez surmonter quelque chose, vous avez besoin de vous parler à quelqu'un qui vous... Quelqu'un, alors ça va être peut-être quelqu'un aussi par rapport à de l'argent, que vous allez demander peut-être qu'on vous aide financièrement, ou alors vous allez simplement vous confier. Vous allez simplement vous confier à une personne vraiment qui vous aime, que vous aimez, vraiment la personne que...
Moi, quand je vois le gros nounours comme ça, c'est vraiment, ça me fait penser un peu au Père Noël, quoi. Vous allez vous blottir contre le Père Noël, que vous soyez adulte, que vous soyez enfant, que vous soyez vieux, peu importe, le Père Noël, c'est voilà, c'est, je sais pas, c'est magique. Ça n'a pas de mauvaise pensée, jamais. Donc, c'est quelqu'un qui va vous serrer très fort dans ses bras, qui va vraiment vous remonter le moral. Vous avez peut-être besoin de ça, tout simplement. Mais l'ours parle quand même d'argent. Donc, voilà, vous avez quand même un blocage financier, je pense. Ou alors, vous allez avoir un blocage financier dans le courant du mois de novembre. Mais il y a possibilité que, en parlant, vous puissiez... de toute façon, il n'y a que des solutions. À tous les problèmes, il n'y a que des solutions, de toute façon. C'est pour ça qu'il y a des problèmes, d'ailleurs, parce qu'il y a des solutions. Et donc, et on s'en sort toujours, croyez-moi. Vraiment, quand on le veut, on s'en sort. Et donc, voilà, peut-être que quelqu'un va vous aider financièrement, vous allez demander de l'aide financière, vous allez avoir besoin de parler, de vous blottir contre quelqu'un, de vous épancher, voilà. Et puis ça se terminera bien. Voilà, c'est la maison ici, je vous appelle, c'est le mariage, le conjoint, les associations et votre vie extérieure. Alors il se pourrait aussi éventuellement que vous appreniez que votre conjoint, conjointe a fait des dettes ou a usé un peu plus d'argent que prévu. Donc ça va pas peut-être faire spécialement des grosses disputes, mais en tout cas ça va faire des blocages. Ça se peut aussi que vous voyez, ou alors vous-même vous avez un peu dépensé trop de sous, vous avez un petit peu exagéré. Et puis, vous n'osez peut-être pas en parler à votre compagne, compagnon. Et puis, du coup, bah, il faut absolument que quelqu'un vous aide. Et vous allez essayer de trouver une personne qui va vous aider, qui est l'ours. Dans ce cas-ci, par exemple. Voilà. Alors, changement, profit, transformation profonde, sexualité. Alors, la lettre, le cercueil et la lune. Donc, qu'est-ce qu'on disait ? Profit, transformation, sexualité, changement. Oui, en effet. Donc, suite à un courrier, suite à quelque chose d'écrit, courrier, texto, mail, etc., etc., vous allez enfin pouvoir tourner la page et mort et résurrection. Donc, vous allez pouvoir tourner la page pour aller vers autre chose, pour commencer une nouvelle vie, pour donner une autre direction à votre vie et... Je pense que ça va vous rendre peut-être un peu mélancolique et un petit peu même peut-être dépressif. Peut-être, un petit peu dépressif. C'est provisoire, hein. C'est parce que ce sera un changement, en tous les cas, il y a un changement, de toute manière. Donc, voilà, il y a un changement. Donc, peut-être que vous allez recevoir aussi des nouvelles de quelque chose ou de quelqu'un par rapport à une situation qui va vous obliger, entre guillemets, à voir autrement, à tourner une page et à avancer enfin mais vous allez être un petit peu malheureux, mais pas malheureux, sinon ce serait la croix, mais mélancolique, peut-être dépressif, voilà, peut-être une situation qui va travailler un petit peu comme ça. Donc c'est par rapport peut-être à une histoire de sexe, hein, que vous pensiez peut-être que c'était une histoire d'amour, mais c'était peut-être qu'une histoire de sexe, puisque nous sommes dans cette maison-là. Ça peut être par rapport à une transformation, à un changement. Il y aura sûrement, oui, un changement. Ou alors, vous allez vous rendre compte qu'on a profité de vous. Et du coup, vous allez tourner la page. Mais ça va vous rendre quand même un petit peu... Voilà, vous allez peut-être être un peu déçu. Voilà. Alors, voyage, hautes études, administration et la vie spirituelle. Alors, Madame Scorpion ou la femme de Monsieur Scorpion, la Verge et la Fou. Alors ici, c'est comme ça, je vous répète quelle maison c'est la maison 7-8-9, les voyages, les hautes études, la vie spirituelle et l'administration. Alors, Madame Scorpion, principalement, hein. Principalement plus Madame Scorpion, plus que la femme de Monsieur Scorpion. Ça peut être aussi Monsieur Scorpion ici, dans ce cas-ci. Dans le cas de là aussi, hein. On peut mettre Madame aussi, mais bon, j'aime bien quand même de garder mes petits bonhommes. Bon, Madame, vous allez vous disputer très 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 fort, et vous allez rompre quelque chose.
Alors, ça peut être par rapport à un voyage. Vous deviez partir quelque part avec quelqu'un, vous allez vous disputer, vous allez annuler le voyage. Par rapport aux études, bon, vous allez peut-être tout simplement décider que non, je ne fais plus d'études parce que vous êtes disputé. Ce sera de toute façon quelque chose que vous allez rompre, vous, hein, madame, hein, vous, vous allez rompre à cause de disputes. Il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, votre vie spirituelle peut-être. Hein. Peut-être qu'on veut vous obliger à changer de religion parce que vous devez vous marier. Et puis non, de toute façon, non, je ne change pas ma religion, je n'ai pas envie. On n'a qu'à m'accepter comme je suis, ça ne va pas, on se dispute, hop, et on rompt. Ça se peut aussi. Mais c'est vous qui prendrez, c'est vous le scorpion ici qui regardez ce tirage, qui allez prendre la décision de toute façon de rompre par rapport à quelque chose, par rapport à une dispute que vous allez avoir. Voilà. D'accord ? C'est vous qui allez prendre la décision. Ensuite, où est-ce qu'on en est ici ? La vie sociale, les ambitions, la maman et l'idéal. Les souris, le cavalier et les nuages. Alors, les ambitions, la vie sociale, la maman et l'idéal. Qu'est-ce que j'ai dit ? Alors, dans cette situation, il y a quelque chose qui vous ennuie, qui vous ronge. Les souris, elles rongent. Alors, elles vous rongent financièrement, elles vous rongent psychologiquement, elles vous rongent physiquement, elles vous rongent mentalement, enfin, elles vous rongent financièrement. Voilà. C'est quelque chose... Alors, soit ça n'est peut-être pas encore arrivé, alors vous avez les outils pour prévenir, d'accord, puisque je vous le dis, ça va peut-être être dans le courant du mois de novembre, mais de toute façon, dans le courant du mois de novembre, il y a quelque chose qui va se passer, qui va arriver tout doucement. C'est vraiment ces souris qui arrivent tout doucement vers vous et ça va vous prendre la tête. Donc vous allez avoir des prises de tête par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation qui vous ronge et qui vous bouffe et qui est en train d'arriver tout doucement en fait. J'ai l'impression que ça va venir. Donc ça va vous prendre la tête. J'ai envie de vous rassurer en disant que ce sont les nuages, que si ça vous arrive, que vous avez une prise de tête par rapport à un truc qui vous arrive, ne vous tracassez pas trop parce que les nuages, ça ne fait que passer. Donc ces prises de tête, c'est peut-être un objet qu'on vous a volé, qu'on va vous rendre. Donc on vous a peut-être piqué quelque chose et du coup, au mois de novembre, vous allez le retrouver, entre guillemets. Et les nuages, ben voilà, c'est des prises de tête par rapport à quelque chose comme ça. Donc, à quelqu'un ou à quelque chose qui vraiment vous prend la tête et vous bouffe. Hein. C'est peut-être tout simplement quelqu'un qui vous téléphone tous les jours, c'est tout simplement quelqu'un qui veut tout le temps vous conseiller, quelqu'un qui veut toujours... j'invente ici, hein, quelqu'un qui veut tout le temps vous conseiller, quelqu'un qui sait toujours tout mieux que vous, ça peut être au boulot, ça peut être peu importe. Et vous en avez vraiment marre, et donc, voilà, ça peut être ça, quelqu'un qui vous ennuie, mais vous allez pouvoir soit lui échapper tout doucement, mais j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose qui vous arrive, et qui va vous arriver, vous allez avoir des prises de tête, donc à vous, vous le savez, à vous de faire en sorte que ça n'arrive pas, et de ne pas laisser aller les choses trop loin, parce qu'une fois que les choses vont trop loin, la personne a une emprise sur vous, et ça devient quelqu'un de nuisible, et franchement, ça devient vraiment pénible. Ensuite, ici, vous avez les relations, les appuis, les projets et les espérances. Waouh, le soleil. Tous les projets, toutes les espérances sont permises. Le soleil, l'arbre et la croix. Bon, alors j'ai envie de dire ici que vous allez vraiment vivre quelque chose... de sain, il y a quelque chose de sain qui va vous arriver, donc dans cette par rapport aux relations, aux appuis, aux projets et aux espoirs et donc ne vous tracassez pas, c'est vraiment un truc super, c'est vraiment magnifique, vous allez vraiment, vous avez le soleil, par contre vous avez la croix, vous pouvez dire que c'est quelque chose aussi, donc si vous avez ici un projet ou une relation ou quelqu'un sur qui vous deviez compter, peut-être que vous allez avoir un peu de déception par rapport à ça, mais ne vous tracassez pas, vous avez le soleil. Donc, quel que soit le projet, quel que soit l'appui que vous attendez, quel que c'est que... Enfin, voilà, c'est vraiment un truc vraiment à... C'est vraiment quelque chose de sain. Vous avez un projet sain, vous allez avoir peut-être des appuis
des appuis qui vont être, qui vont vous aider vraiment, parce que vous avez la force de l'arbre, puis vous avez la, la croix, donc vous allez peut-être... j'arrête pas d'avoir des mails, ça m'énerve, vraiment. Je n'ai rien à moi avec ça. Donc... Je suis désolée, mais... Je mets même sur silencieux, mais ça vibre, il faut que j'enlève le... Donc le soleil, donc voilà ce que je voulais dire, si vous avez un projet, si vous avez besoin d'un appui, il n'y a pas de souci, vous allez l'avoir, vous allez vraiment, tout va bien se passer, même si vous avez un petit peu de peine, et même si ça va peut-être être un peu plus difficile que prévu, vous avez le soleil, et le soleil, vous allez tout réussir, par rapport à des projets, par rapport à des espérances que vous avez, ou même par rapport à une relation. Voilà, vous avez peut-être, il y a peut-être quelque chose qui se passe par rapport à une relation, mais ce sera une relation sainte, même si elle vous donne un petit peu de peine, mais de toute façon, voilà, c'est une bonne relation. J'ai envie de vous dire ça. Maintenant, ce sont les épreuves et les choses cachées. Désolée. Alors, les épreuves et les choses cachées, nous avons les poissons, l'enfant et le chemin. Alors, je m'excuse beaucoup, je vais ouvrir la porte. C'est quelqu'un qui arrive sur moi. Et j'ai dit de descendre. Alors, voilà, j'arrive. Bon, ici nous avons... Descends si tu veux bien. J'arrive. Alors, la dernière maison, qui est la maison, comme je disais, des épreuves et des choses cachées et secrètes. Nous avons le poisson, l'enfant et le chemin. Alors, l'enfant, le chemin... J'ai envie de dire que vous avez un projet, donc quelque chose de secret, quelque chose qui n'est pas encore dévoilé, donc quelque chose peut-être que vous allez apprendre aussi. Vous avez envie de vous lancer pour certains scorpions, vous avez envie de vous lancer dans un travail indépendant. Et c'est un nouveau projet, puisque nous avons l'enfant c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui va éclore. Et c'est un choix, voilà. C'est un choix que vous allez faire, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, vous allez faire un choix de créer quelque chose de nouveau, et ça va faire partie d'un projet d'indépendant, et aussi d'indépendant, et l'enfant, c'est quelque chose que vous allez créer, hein, vraiment quelque chose de nouveau. Donc faites-le, c'est quelque chose aussi que vous allez dévoiler, ou alors que vous allez apprendre, et qui va vous permettre... Du fait d'avoir appris ça, ça va vous permettre justement de pouvoir vous lancer dans quelque chose d'indépendant. Ça peut aussi parler d'argent. Le poisson peut parler d'argent. Donc vous allez peut-être, avec une petite somme, ça ne va pas être des millions d'euros, mais ça va être une belle petite somme d'argent qui va vous permettre, peut-être que vous allez garder secret aussi, c'est peut-être de l'argent que vous avez en secret. Ça, voilà. Et qui va vous permettre de créer quelque chose suite à un choix que vous avez fait. Voilà, ce que j'ai envie de vous dire. Bon, je vais je vais tirer une carte de l'oracle d'Halloween pour voir un petit peu pour les scorpions. Donc je vous dis, n'oubliez pas d'aller voir l'ascendant et le signe lunaire. Hop, oups, mes scorpions. Hop. Voilà, je coupe. Et je prends celle-ci. Ah, elle est tombée, mais il y en a un peu trop là. Je vais pas. J'ai pris celle-là. Je vais vous montrer celles qui sont tombées. Donc là, j'ai la visibilité, l'authenticité. Je ne vais pas lire les trois parce que je vais vous les montrer quand même. Donc, c'est l'heure magique entre toutes, minuit. Ben, en plus, c'est Halloween, donc voilà. Et puis, un bonbon ou un sort.
Voilà, un bonbon ou un sort, ben ça c'est ce que les enfants demandent quand ils vont sonner aux portes, hein, malice ou artifice. Donc ça représente bien cette journée d'Halloween, cette nuit d'Halloween qui va. Et ici nous avons la visibilité, je vais vous lire juste ça. Hop. Attendez que je trouve, parce que avec des L apostrophe. Alors, l'invisibilité, voilà. Je vous lis ça. Le cœur battant, nous les sentons, mais nous ne les voyons pas. À leur toucher, nous frissonnons, ils sont invisibles, mais bien là. Alors, on connaît parfois cette sensation d'être épié par quelqu'un. On ne peut pas le voir, mais on en sent nettement une présence. Tous les poils de la nuque se hérissent. On a l'impression d'apercevoir quelque chose du coin de l'œil, mais alors qu'on se retourne, il n'y a rien à voir. Si ce n'est le vide, tel est le pouvoir de l'invisibilité, véhiculant la peur sous-jacente et la menace voilée de devoir combattre un ennemi qu'on ne peut pas voir. En tant qu'être humain, nous possédons un sens visuel aiguisé. Par conséquent, rien d'étonnant à ce que nous éprouvions un certain malaise par rapport à ce que nous ne pouvons pas voir. Oh là 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 là! Nos ancêtres croyaient que de nombreuses créatures mythiques et physiques, sans oublier les divinités, pouvait se rendre invisible à volonté. Lorsqu'on songe que certains animaux sont experts dans l'art du camouflage grâce à leur fourrure ou à leur comportement, au point que parfois, même si on les fixe, on les distingue difficilement dans leur environnement. Cette invisibilité n'apparaît plus comme un concept aussi farfelu. Dans maintes cultures, l'idée de créatures qui peuvent nous observer sans être vues était et continue à être chose courante. Les djinns, les anges, les esprits de la nature, les fées et même les praticiens de la magie, comme les sorcières, sont censés avoir le pouvoir d'apparaître et de disparaître à volonté. Par la suite, dans la littérature puis au cinéma, l'invisibilité devient un pouvoir ordinaire. Dorénavant, nous rencontrons des super-héros de fiction capables de se rendre invisibles, voire arborant des capes d'invisibilité. Le concept d'invisibilité est une épée à double tranchant, puissant outil destiné à obtenir des renseignements ou à apporter de l'aide sans que personne ne s'en aperçoive. Ceux qui y ont recours sont dépositaires d'informations qui ne leur sont pas destinées, susceptibles d'être sorties de leur contexte ou contraires à l'éthique. Il s'agit d'un pouvoir de manipulation par lequel quiconque peut être facilement victime d'abus. Si on se réfère au côté obscur de ce concept, l'idée de se cacher et de ne pas être vu y occupe également une place centrale. Nous sommes tous nés pour inonder le monde de notre lumière et assumer notre rôle. Si vous tirez la carte de l'invisibilité, il vous faudra prendre en compte les aspects vous conduisant à cacher vos talents, à ne pas exprimer votre vraie nature, à voler les idées ou le travail des autres et à être quelqu'un d'autre plutôt que vraiment vous-même. Voilà, en ce qui concerne la carte de la visibilité, donc de Stacy DiMarco de l'oracle d'Halloween. Maintenant, moi, je vais vous souhaiter un super mois de novembre. Plein de bonheur, plein de bonnes choses. On a quand même pas mal, pratiquement toutes bonnes cartes, hein, franchement. On a toutes bonnes cartes, puisque ce sont toutes vos décisions, ce que vous allez prendre. Et puis voilà, je vous fais des bisous et à bientôt !